Un jour, je regarderai. Something meaningful. And I don't think that's necessarily something you learn in school or something you learn from reading a book or watching YouTube videos or anything. I think that's more something you learn from doing it, from trying it over and over and over and over and over. Clic, coucou Fantasy. Ouais, parce que je viens de remarquer en fait que mon compteur il était à zéro pour une raison que j'ignore, donc je me suis dit est-ce que ça déconne sous Streamlab. Mais ouais, par contre c'est vrai que mon micro il récupère les clics de souris, c'est assez chiant, mais j'avoue que je suis pas arrivée à trouver un réglage qui soit satisfaisant à ce niveau-là. Donc bah tant pis. J'espère que par contre la manette vous l'entendez pas trop. Oui, c'est vrai que j'ai un micro. Okay, il est là. On voit pas bien, mais il traîne là à côté de ma gueule.
C'est un petit Bird UM1 que j'ai réussi à avoir avant que les prix explosent. Donc, parce qu'à un moment donné, c'était passé à 150 balles pour un truc qui en vaut 50, quoi. Enfin, bon, il fait bien son boulot, il n'y a pas à dire, mais... Je vais commencer, j'aurai mon casque, c'est tout. Bah, si t'as un casque qui est bien, qui a un bon micro, y a pas de souci, hein. C'est... Moi, c'est parce que j'avais un casque... En fait, le souci, c'est qu'à la base, mon casque, le micro, était plutôt pas mal. Mais simplement, c'est un casque sans fil. Donc au bout de... Entre 2 et 4 heures, j'arrivais jamais à prévoir. Bah, la batterie, elle commençait à crever. Et comme c'est pour ça que je suis passée sur un micro qui était pas sans fil, en fait. Mais je pourrais utiliser le micro qui va avec le cloud, hein. C'est pas... Enfin, avec ce casque. Mais bon, c'est... ça m'évite d'avoir un truc devant la bouche quand je bois mon thé. C'est même que quand je suis sur Discord, le son est pas mauvais, mais pas hyper bon. Moi, je dirais... Au pire, ce que tu fais des essais avant, tu t'enregistres, et puis tu verras bien si c'est dégueu ou pas, quoi. C'est après, ouais. Pour que le son soit vraiment dégueu, je pense qu'il faut y aller, quoi. J'ai vu des streamers, ils arrivent à faire des trucs bien avec des micros à 5 balles. Donc bon, c'est prévu, t'inquiète pas. Ouais, ben, tant mieux, tant mieux. T'as tout prévu, c'est bien, c'est... Faut que je fasse plus de vidéos sur comment streamer et tout, comment commencer, parce que comme ça tu pourras les regarder. Non, en fait, je suis une grosse feignasse, j'avoue, cette semaine, j'ai encore rien fait. Demain soir, il faut que je tourne au moins les rushs pour la prochaine vidéo, parce que... Prochaine vidéo qui, a priori, en tout cas, le script que j'ai écrit, c'était comment parler en stream. Parce que pour les gens qui savent pas, oh là là, comment je meublais 3 heures de stream, je fais pas de soucis. Moi, je sais comment ratcher de tout et n'importe quoi. Il faut que je re-regarde la vidéo du stream deck. Ah oui, le... Touch Portal, ouais. Ouais, qui est pas mal. Il fait bien son boulot. Le seul truc que j'arrive pas à faire avec, c'est intégrer Voice Mode. Parce que Voice Mode, il y a des plugins bah, sur le vrai stream deck. Mais par contre, sur d'autres applis, là, évidemment... Après, j'imagine que je pourrais bidouiller, mais... J'ai pas encore trouvé vraiment le temps de me pencher dessus, quoi. C'est... Par contre, ouais, tiens, si j'y arrive, si je trouve un moyen de le faire avec Touch Portal, là, je fais une vidéo là-dessus parce que je pense que je suis pas la seule personne intéressée qui voudrait bien utiliser ça, mais sans nécessairement avoir un vrai stream deck. Bon, après, j'avoue, un vrai stream deck, ça me fait envie aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Mais bon, il y a plein de choses, en fait, qu'il faudrait que je fasse, que j'apprenne, que je découvre. Pas uniquement faire les vidéos, mais je veux dire apprendre moi-même. Des trucs à travailler pour le stream, mais j'avoue, en ce moment, là les deux derniers mois, avec le boulot, c'est... Le soir, je suis rincée. Je trouve l'énergie de streamer, ok, mais pas plus. Et ça m'embête, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, des transitions, des trucs comme ça, mais c'est l'énergie qui manque. Hein. C'est assez frustrant, d'ailleurs, parce que bon... Mais bon, team vieux, hein, on assume. Coucou, Azaïla. Ah bah ça va, il y a quand même un petit peu de bon pour un truc annoncé une demi-heure à l'avance. Ça va? Ouais, j'avais envie de faire du Hollow Knight. Hisoka, coucou, comment ça va chez toi? Ah, t'as pu ranger ta chambre? Je sais, c'est la question qui fait mal. Donc ouais, je disais ouais ce soir un petit peu de Hollow Knight parce que j'ai envie d'aller me balader un petit peu. J'ai toujours pas fini le Mont Cristal. Je pense que en fait j'ai quasiment terminé. Il faut juste que j'arrive à passer. Je me suis décoloré les cheveux, mais c'était déjà comme ça hier soir. Hein. C'était déjà comme ça dimanche. Non, c'était déjà comme ça hier soir. Ouais ouais. Ah ouais, il a changé son pseudo. Il fallait juste qu'il mette à jour l'appli. Ouais, tu l'as rangé, c'est cool. Ah bah tant mieux, ça s'est bien passé. Donc ouais. Ouais, petit Hollow Knight pépouze, enfin pépouze, non, Hollow Knight n'est jamais complètement pépouze, faut être honnête, c'est quand je pense que ça va l'être que ça ne l'est pas. Mais il faut que je voie la fin de mon cristal, du moins ce que je peux faire maintenant, je crois qu'il me reste juste la butte cristalline. T'étais pas là hier soir hein? Bah t'étais sur le raid avec l'api. Ah ouais, en fait d'accord, t'étais passé au début... Et après, t'étais plus là, il était revenu juste au moment où je faisais le raid, donc du coup... Ok, d'accord, ouais. Ouais. Oui, sinon, ma grande peur, c'est de pas savoir meubler, mais ça viendra. Ah ouais, non, mais honnêtement, au début, je me demandais aussi, mais comment ils font les gens pour parler tout le temps, mais au final... Alors, déjà, quand t'as du monde dans le chat, c'est facile, parce que tu rebondis sur ce que le chat te dit.
Et puis même quand t'as pas de monde, je sais pas, tu parles de ce que t'as bouffé, tu... T'as toujours des trucs à raconter. Même en confinement, je trouvais des merdes à raconter, donc... T'es même pas passé, oh là là. Pas bien ça, mais pourtant je suis sûre de t'avoir vu hier soir. Genre vraiment au tout début. Je sais qu'à un moment donné, t'as dit bonsoir. Enfin, salut quoi, enfin bref. Ah bah tiens, en parlant confinement, Covid, tout ça, je peux aller me faire vacciner. Donc j'ai pris un rendez-vous dans 10 jours pour le premier, puis après faudra que j'y retourne fin juillet pour le deuxième shot, quoi. Donc ils sont super cool à mon boulot parce que le temps d'aller se faire vacciner, ils te le donnent. Donc ils disent pas grave, tu viens bosser à 10h, pas de soucis. Et ils nous ont dit aussi, si jamais on fait une réaction au vaccin, qu'on a besoin d'un jour pour se remettre, bah ils nous filent le jour, quoi. Alors j'ai fait ça c'est classe, quoi. Parce que je connais un paquet de boîtes où, à moins d'y aller le week-end ou de prendre des jours de congé pour y aller, ben... Alors si je pourrais venir, ben, je sais pas encore. Ça, à voir. Je leur demanderais justement si avec une dose, ça va ou pas. Ah, fin du confinement, je vais pouvoir retourner dans mon magasin de loisirs créatifs. Oh oui, 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 ça c'est cool. Il y en a à même pas à quoi 10 minutes de chez moi. Ah oh, mais le truc, si j'y emmène ma mère, mais elle ferait pipi partout tellement elle serait folle de joie, quoi. C'est, ils ont tout, ils ont des trucs pour faire du tricot, du crochet, du dessin. Ah, qu'est-ce qu'ils ont encore comment ça s'appelle le scrapbooking, tout ça. C'est quoi la marque de quoi du vaccin? Bah c'est AstraZeneca. Enfin je pense. Pas des trucs en tissu, je confonds. Si, ah bah ouais, t'avais un truc en tissu que t'avais commencé il y a un moment d'ailleurs. Ça pourrait être sympa, un stream créatif avec de la couture, des trucs un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Du coup, mais t'en feras pas du stream, ok. Bien sûr, du JV, c'est la seule chose dans laquelle je suis fort. Tu sais, moi je suis pas forte en JV, j'en fais quand même, hein, ça me retient pas. C'est pas ça qui va me... qui va m'embêter. Même le dessin, je suis hyper rouillée, mais j'en ai fait quand même, quoi. C'est au bout d'un moment. Je suis en train de me dire, je vais juste doucement lancer Hollow Knight, parce que je vais jouer un petit peu quand même. Donc comme ça, je peux papoter en jouant, parce que sinon, je vais pas le faire. Je sais plus où j'ai mis le jeu. Ah, il est là. Disons, c'est la seule chose où je me sens vraiment à l'aise. Ça, c'est autre chose. Ça, effectivement, se sentir à l'aise, c'est un autre aspect du truc. Ah bah c'est bien, j'arrive en fin de morceau, quand le morceau est terminé, je mets le jeu. Je suis en train de garder l'œil sur le compteur du coup. Faudrait que je regarde pourquoi mon compteur il déconne, mais... Je retiens quand j'aurai besoin de conseils le jour où je serai installé quelque part et que je pourrai m'acheter une machine. Ah ouais, oui parce que... La machine à coudre, enfin faire tout à la main, c'est... Ah bah je passe juste le jeu en français. Alors si je vais faire du Minecraft une fois, j'en referai... le seul truc, c'est que pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en faire. Et j'ai pas d'idée de construction, donc... Mais le jour où j'ai nouveau des idées, ouais. Je me suis toujours dit qu'un jour j'en ferai mon métier, le jeu vidéo. C'est-à-dire streamer professionnel ou développer des jeux vidéo plutôt. Enfin, ou faire un métier en rapport avec le jeu vidéo, même si c'est... pas directement, mais du genre illustrateur pour les couvertures de jeux ou des trucs, enfin les pochettes de jeux. Je crois que Naoe a dit qu'à Hollow Knight en ce moment... Oui, un peu, ouais. Parce que Hollow Knight est vraiment... franchement, j'aime beaucoup. C'est... Yes, il s'affiche! Yes, il s'affiche! Puis, c'est un jeu qui réussit quand même la prouesse d'être à la fois super dark et pipou, quoi. Regardez-moi ça, regarde-moi ce petit bonhomme avec ses grands yeux vides, là. Trop mignon. Donc ouais, j'étais partie pour aller dans la salle que j'ai explorée l'autre fois, où je sais toujours pas pourquoi j'ai autant galéré, mais je vais juste aller vérifier que je sais encore, que je connais encore les commandes, parce que du coup je confonds avec Hades, forcément. Ok, ça c'est pour sauter. Parce que le saut, je vais en avoir besoin. En vrai, c'était testeur de JV, mon métier de rêve, jouer à des jeux tout le temps, le rêve. Ah! Ouais, par contre, c'est... Enfin, d'après ce que j'ai vu, c'est pas forcément...
Enfin, ça dépend où tu bosses. Tu vas manger, tu reviens après. À plus. Bah, à plus, y a pas de souci. Bon appétit. J'espère que t'as du bon manger qui t'attend. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait eu? Qu'est-ce que j'avais vu comme merdouille par rapport à... Qu'il y avait pas mal de controverses avec des gens comme Julien Chies, par exemple. Où, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit d'intérêts quand, genre, t'as les éditeurs qui te filent des jeux, qui te payent l'hôtel pour faire des semaines de tests et tout, et est-ce que quand toi, après, si tu files une bonne note au jeu, est-ce qu'on peut dire que t'as été corrompu, tu vois, il y a un peu des trucs comme ça, quoi. Le rêve est souvent loin de la réalité, les testeurs n'apprécient pas forcément le jeu quand il s'agit de tester des trucs absurdes. En fait, il y a ce souci, mais qui est pas que pour les tests de jeux vidéo, hein, tous les trucs, on va dire, critiques professionnelles. Je pense que c'est pareil, tout ce qui est cinéma, théâtre, avec les avant-premières et tout. Coucou Kevlesco, comment ça va chez toi? Ah oui, je fais du Hollow Knight. Que ouais, il y a ça, c'est les éditeurs qui te filent les jeux, les billets pour les avant-premières, etc. Et si tu donnes une mauvaise critique à leur truc, il se peut que tu sois pas invité la prochaine fois, tu vois. Et que du coup, tu puisses pas faire ton métier parce que t'auras pas le jeu, t'auras pas vu la pièce et tout, quoi. Après, t'as découvert les youtubeurs jeux vidéo, puis les streamers, et là, ça a été le déclic. Ah ouais. Testeur dans le studio et testeur presse. Ah oui, c'est deux choses complètement différentes, ça. Eh, je vais même réussir à pas me faire tuer alors que je faisais pas gaffe. Alors, attendez, c'est quoi de nouveau? C'est celui-là. Cœur de cristal! Yeah! On va essayer de pas tomber. Yes. Ça commence à puer du fion là-haut, vous trouvez pas? Avec ces volutes là qui sortent. Donc, la dernière fois... J'espère que les mobs, ils ont pas respawné dans la salle parce que ça me ferait un peu suer si c'était le cas. Ah là là. J'espère qu'ils ont pas respawné. Mais tu viens là, toi? Ah, vous l'attendiez celle-là, hein? Je me prends des petits coups, je tombe, je fais n'importe quoi. Putain. Bon, comment vous dire? Bah c'est pas la grande forme, hein. Celui-là, il va se prendre un fion. Enfin, j'espère. Enfin non. Putain mais c'est pas vrai, regardez-moi cette nullité. Ah c'est magique hein. Ça va souper, ah ça va souper chez Fantasy. Ouh. Est-ce que je vais essayer de me friter celui-là? Pour me refaire un petit peu de soul. Putain mais c'est pas vrai. Ah super. Effectivement, ouais comme ça. Donc, bref, comme vous pouvez le constater, eh bien, il faut que je reprenne mes habitudes. Voilà pourquoi aussi je voulais jouer, parce que... Donc là, je m'étais fait poutrer la face, mais je pense que j'ai réussi à éliminer les petites saloperies. Est-ce que je tente ça? Voilà. Voilà. Comme ça, je peux au moins me recharger un masque. Donc oui, la dernière fois, je m'étais gentiment croûtée là-dessus. Il y avait des saloperies qui traînaient. Et il y en avait genre plein. Et puis, tiens, j'étais pas allée là. Et maintenant, je suis en train d'aller là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ventre rutilant. Ah, ah, ah. Tiens, j'ai gagné un achievement enchanté. La grosse question, c'est quoi ce truc? Est-ce que je le tape? C'est quoi ce machin? Féconde. Ouh, ça sent la maman. D'accord, on va se barrer avant qu'elle respawn, hein. Enfin, qu'elle ramène des bébés, on va dire. Donc ouais, et j'ai pas compris pourquoi j'avais autant galéré dans cette salle, parce que je l'ai faite genre une heure après, puis ça passait crème. J'ai pas de problème. On va essayer de pas tomber. Je disais donc, on va essayer de pas tomber.
Alors, comment vous dire? Là, le truc que je veux aller faire à Verchemin... ça, à mon avis, ça va être rigolo. Et te fais rien, pourquoi tu l'attaques? Non, c'est avec l'aiguillon des rêves. Je voulais voir s'il racontait quelque chose. Et visiblement, oui, elle raconte quelque chose. Ok. Il est encore là, lui? Viens là. Viens là, monsieur. On va peut-être éviter de se faire toucher. J'ai plus l'habitude avec Hades, je commence à confondre les contrôles. Voilà. Je voulais un petit peu de pépette. Parce que j'ai pas spécialement envie de retourner au banc, genre là maintenant tout de suite. Juste pour aller me soigner. Alors, je pense que j'ai fait cette salle. Il me semblait pas qu'il y avait autre chose. S'il y a peut-être des endroits qu'il faut que j'aille voir donc par rapport à l'aiguillon des rêves. Hein. Tiens, ah, je crois que j'ai rempli le journal du chasseur. Non. C'est où le journal? C'est là. Bulboon. C'était quoi cela? Carcasse de la défense. Ok, moi j'appelle ça des gros cailloux, alors qu'en fait c'est pas des cailloux du tout, mais... Ok. Je pense que c'est un de ceux-là que j'ai dû finaliser. Et maintenant, ouais, c'est... Il faut que je... Que je m'amuse un petit peu avec... Non, il n'y a rien ici. C'est marrant parce que m'avait dit l'autre avec l'aiguillon des rêves... Que si je vais dans les endroits où il y a des tombes ou des endroits où j'ai tué des ennemis, des trucs comme ça, il y aura peut-être quelque chose. Vous entendez un truc pleurer? Il y a un truc qui pleure. Oula. Ça, je me souviens pas. Ça pleure et c'est pas une chenille, on est d'accord. Non, c'est là. Ok, j'ai aucune idée de où c'est. Les chenilles, ça chouine, c'est ça. Là, c'est là, la voix est plus grave. Ok. Mais c'est dans le secteur. Là, je les entends plus. Bon sang, c'est où? Maintenant, ça m'intrigue. J'ai encore découvert un truc que je connaissais pas, tiens. C'est dans le secteur là. Il y a quelque chose là-haut. C'était au-dessus, mais pas sûr de comment y accéder. Ouais, c'est ça, je l'entends quand je suis ici. Et j'ai l'impression qu'il y a un bout de salle là-haut. Oh purée, maintenant ça m'intrigue. Non, là j'y étais. Oh là là! Est-ce qu'il y a un truc peut-être dans un mur qu'il faut que je pète? Non. Là-haut non plus. Si quelqu'un voit un mur secret ou autre chose, vous me faites signe. Hein. Ah bon sang, ça me stresse. J'ai envie de savoir où c'est maintenant. Peut-être en passant par là. Sur quoi je vais encore tomber, moi? Sur quoi je vais encore tomber? Le seul passage au-dessus que je vois pour l'instant, c'est celui-là. Mais... Non. Oh non, là c'est pour aller vers la... L'espèce de chaman. Non, j'entends pas pleurer. Ouh, ça me perturbe tout ça, ça vous perturbe aussi? Je veux savoir qu'est-ce qui pleure. Est-ce que c'est par rapport à lui, vu que c'est à peu près le même endroit? Parce que à la base, lui...
C'est pas ici. Ici, c'est l'endroit où je l'ai terminé, mais quand je l'ai affronté, c'était plus haut, non? C'était là. C'était histoire d'essayer quelque chose, hein. Là, je peux rien atteindre. Non. Bon. Je sais pas si c'est en rapport avec ça. D'après le wiki, car toi, t'avais oublié. D'accord. Non, mais il y a quelque chose ici, je suis sûre. Je sais juste pas où. Essayer de l'autre côté. Oh mais non, mais il n'y a rien au-dessus. Peut-être vraiment en passant par au-dessus à ce moment-là. Ah là là, ah ça me... Je suis curieuse là. Je suis sûre que ça va être une grosse merde, évidemment. Peut-être en passant par là-haut. Mais je pense pas, en vrai. Quelque chose me dit que non. C'est quoi les vieux trucs dégueux qui tombent là? Non, non, c'est pas là, hein. Là, je suis trop haut. Ah! Mais surtout, je fais pas attention. Là, il y avait une chenille que j'ai déjà eue, ok. Bah, en fait, la question pour moi, c'est surtout, est-ce que j'ai raté quelque chose? Ou est-ce que c'est un endroit où je peux pas encore aller? C'est plutôt ça la question que je me pose. Non, là j'arrive au-dessus de la salle. Oh! Bonjour Klingri, comment ça va chez toi? Ah, ce petit stream sauvage ce soir. Normalement, je stream pas le mercredi, mais... Je suis au-dessus de la salle. Est-ce qu'il faut pas que je désingue quelque chose avec le Desolate Dive en fait, tout connement? Maintenant que j'y pense. Après tout, j'ai des compétences en plus, hein, autant m'en servir. Peut-être que j'évite de dasher sur les ennemis, hein? Non? Pour être bien. Ah mais il est addictif ce jeu, hein. N'est-ce pas? On va essayer de pas tomber sur des moucherons. Crunch, crunch, crunch. Ouais, on va tester ça. Hein. C'était bien, c'était par là, il me semble. Ouais. Non, attends, c'est pas par là. C'était ici. Je parie que ça va être une merdouille en plus. Mais bon, ce soir, je suis partie pour me petit suicider, donc... Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux utiliser le bousin de sort, là? Enfin, de pas de sort, de... Je pense... Je dois pouvoir y accéder, ouais, mais alors la question, c'est comment? Je m'étais dit peut-être qu'en utilisant ça, mais visiblement non. Je sais pas s'il y a un truc avec les lions des rêves, hein, ou si c'est encore autre chose. Il est nouveau là, lui? Ah non, il a pas repop. Ce serait
Pas par ici, non. Là où j'étais déjà. Alors, qu'est-ce que je cherche? Ben, quand je suis dans la partie là où il y avait, où il y a l'armure du faux chevalier qui reste, j'entends pleurer. Et le souci, c'est que je vois pas du tout qu'est-ce qui fait ce bruit. Et ça m'intrigue et j'ai bien envie de savoir. Mais j'arrive pas à trouver comment y aller. Et c'est pas une chenille parce que ça chouine pas de la même façon. Effectivement, je donnerai des indications si tu le souhaites. Ouais, mais je sais pas en fait. J'ai envie de trouver par moi-même, mais en même temps, j'ai pas l'impression que je suis bien partie pour. C'est pas ici. Est-ce que je dois repasser par là-haut? Je vais quand même essayer pour voir, mais... Si tu demandes pas explicitement, je te dirai rien. Ok, merci. Je vais voir si j'ai pas raté quelque chose là. Mais non, reviens! Voilà. Non. Ah là là. Il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose dans ce secteur, c'est sûr et certain. J'ai pas trouvé toute seule non plus lors de ma partie. Ben, moi je dirais donne-moi encore 5 minutes. Et si vraiment je galère trop et que ça devient chiantos, ben... Dans ce cas-là, je prendrais un petit indice. Je pense pas que ce soit là. J'ai utilisé le cœur de cristal, ça a rien donné. Le Desolate Dive, je vois pas trop où m'en servir. Il n'y a pas d'indication que ça peut faire quelque chose. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Les murs, j'ai cogné à peu près dans tout. Je l'ai cogné lui. Je peux pas rentrer dedans. Ce serait très fun si je pouvais. Là, on est d'accord qu'il n'y a rien de particulier. C'est une armure vide, ouais. Et là, ça pleure. Et c'est vraiment au niveau de cet endroit-là. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, ça marche pas. Pour une fois que je lance au sort exprès, hein. Ici, y a rien. Ça, c'était le coffre. Ouais, je vous ai dit, j'essaye tout, hein. Là-haut, y a que Pouic. Mais là, ça pleure. Est-ce que là, y a quelque chose? Ah, ah, ah. Attendez, je vais voir. Est-ce que ce serait là? C'est sombre, on est d'accord. C'est comme s'il y avait... Je vais aller me charger en soul et je reviens. Je vais essayer de péter le plafond là-haut. Je pense pas que ça va marcher, mais... Si jamais ça marche, j'ai envie d'avoir... Ah Klingris, je suis désolée, je crois que t'as répété trop de lettres du même coup et Wisebot, il a pas aimé. Il fait ça parfois. T'inquiète, c'est que 30 secondes. Allez, viens là, toi. Et il n'y a pas un autre qui traîne? Bah voilà, un petit qui traîne. Mais j'ai eu le temps de voir que t'as fait un truc genre ah, ah, ah. Avec beaucoup de A. Donc, le gros caillou, il a pas réapparu. Enfin, le caillou, façon de parler. J'avais dit que je montais tout en haut pour voir la partie obscure. Hein. Je vais essayer ça, et si ça donne rien, à ce moment-là, je veux bien un petit indice, on va dire. Je sens que je vais regretter, en fait, si je trouve quelque chose.
Non, ça marche pas. Ok, ouais, non, mais alors là, je vois pas du tout, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est planqué là-dedans. Mais... Ouais. Ouais, là, je veux bien un indice, parce que honnêtement, j'ai un petit peu épuisé mes idées. Là, effectivement, c'est... Il y a quelque chose, c'est sûr. Je suis dans la bonne salle, ok. Est-ce qu'il faut que je cogne un truc avec ça? Puisque là... Donc ouais, de façon générale, je suis au bon endroit. C'est là que j'entends chialer, donc... Ah! Voilà. Oula. Ok. Lol. Bah alors, ils sont pas nommés, ils parlent pas. C'est pas un des machins qu'il y avait dans l'armure du chevalier, justement? Mon frère, réveille-toi, aide-moi. Oula, oh. D'accord, donc là... Ah ouais, je vois les petits symboles des rêves. Ok. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que je sais pas si ce qui va se passer. Si tu me dis prête, c'est qu'il y a une merde. Ah. Moi, je veux bien essayer de les buter pour voir, mais... Il est où l'autre? Le truc, c'est qu'ils m'ont rien fait, les pauvres. Mais... Faut pas suicider quand même en se jetant dans le vide. Ouais, bah en fait, je cherchais juste un... Ah ouais, d'accord, c'est les plateformes qui apparaissent au fur et à mesure, d'accord. C'est comme... La première fois quand je suis allée dans ce machin. Ok. Putain. Je vais y arriver. Bon, ça va, techniquement, je meurs pas, on est d'accord. Faut juste que... Faut juste pas que je tombe. Ça a l'air hyper pépouze, donc forcément, ça va puer du fion. N'est-ce pas? Je sais pas si je suis censée aller là, mais... Ah! D'accord! D'accord. Putain. Ok, d'accord, j'étais pas prête. Ok. Maintenant, je suis mort officiellement. Ah, je peux mort officiellement, d'accord. Ah, ok, ok. Donc, en fait... D'accord, je suis pas obligée de retourner. Je réapparais pas au bon. D'accord. Oh, bah, écoutez, hein... Challenge accepted. Hein? Bon, j'ai plus de soul, mais ça, c'est pas grave. Ah non, c'était là-haut que je voulais aller. C'est magnifique comme truc. Oula. Aïe. Je pense que je vais recrever encore une fois, mais c'est pas grave. Il est vachement plus rapide que la première fois, hein. Je mets sous et je suis entier, donc ça va, c'est pas trop chiant de tryhard ce type de boss. Ouais, ouais, c'est... C'est juste que... Son pattern, j'ai l'impression qu'il est le même, mais juste en vachement plus rapide. Donc, bon, bah écoutez, moi j'étais partie pour faire une partie tranquille. Partie tranquille à Hollow Knight, hein. Forcément. Ça va tryhard.
plus rapide, mais le pattern est très semblable. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est... c'est... Son onde, là, elle va plus loin. Ah ouh. Par contre, ça fait mal, hein. Ouch. ok, je crois pas que je vais avoir des endroits où me guérir. Hein. Bon courage, je reviens un peu plus tard, tu m'abandonnes dans cette épreuve difficile. ouais, ça va tryhard, hein, effectivement. Bon bah, au moins j'aurais pas perdu ma soirée. Version surboostée du faux chevalier, je te conseille pas de la faire en early game, mais plutôt dans le endgame. Ah, parce que là je suis dans le early game, ok. Ben écoute, je vais essayer quelques fois, et puis si j'y arrive pas, tant pis, je laisse tomber. Au moins je saurai où la trouver, hein, je peux toujours y retourner plus tard. Mais j'ai envie d'essayer 2-3 fois quand même pour voir. C'est... Ouais, effectivement. Effectivement. Je suis où? Je suis en haut, hein. Ouais, j'ai un peu de mal quand même avec le frapper quand je retombe. Conseille pas de pas le faire, ouais. J'essaye encore une fois, si je pense que je vais me faire poutrer, mais ça me donnera un petit peu d'aperçu quand même. Donc lui, au moins, je sais où le trouver. Donc c'est bon à savoir. Et puis aussi, il me faut... il me faut un... Ah! J'ai sauté trop tôt. Allez, j'avais dit j'essaye une dernière fois, ça ne comptait pas le fait de tomber dans le vide. Et sinon, bah, j'essaye d'aller à Green Path ou de finir le Mont Cristal. Mont Cristal, ça peut être un bon truc parce que franchement, il me reste juste la partie de la butte cristalline à faire. Et ce serait bête de pas le faire. Allez, j'essaye encore une fois parce que c'est vrai que là, il a l'air... J'ai quand même l'impression qu'il me manque des trucs. Merde. Ah, ça c'est con. J'arrive pas à frapper vers le bas. Bon, d'accord. Ok. Ça a l'air effectivement un peu gras, mais... Je me souviendrai de ta présence à toi. Mais je suis contente, j'ai quand même repéré le mur toute seule. Finalement... Ah, je sais pas, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. J'aime pas abandonner. Mais bon. Je vais dire c'est le dernier essai. Dans 3 heures, je dirais encore que c'est le dernier essai. Vous allez voir ça. Non. Non, par contre, je suis en train de me dire... Qu'est-ce que je tente après? Je cherche les embrouilles. Ouais, ouais, je cherche les embrouilles. Mais je veux juste voir si je peux arriver à au moins piger un petit peu... trouver une technique, hein. Oula, ouais. Ouais, je m'approche trop de lui, du coup. Ok. Il va me falloir du temps sur celui-là, je pense. Effectivement. Donc ça, en fait, c'est la version comment lui, le faux chevalier, c'est comme ça qu'il se voyait dans son esprit, en fait. Je sais pas du tout si c'est l'explication officielle, mais j'aime bien cette explication. J'aime bien cette hypothèse. Que c'est cette espèce de petit machin ridicule tout blanc là, je sais pas ce que c'est, un asticot géant qui s'est mis dans une armure en se disant comme ça je serai grand et fort, et qui du coup dans le rêve après sa mort, on va dire, s'imagine que c'est comme ça qu'il est grand et fort, c'est lui à l'apogée de sa puissance, voilà c'est ça, et qui était pas sa vraie puissance mais la puissance qu'il voyait dans sa tête. Ah, j'aime bien voir ça comme ça. Alors, j'ai deux choses qu'il faudrait que je fasse. La butte cristalline, et je crois que c'est tout ce qui me reste à faire dans les monts cristal à ce stade-là. Et maintenant que j'ai le cœur de cristal, à Verschemin, il y a des endroits au-dessus de l'acide. C'est quoi que j'avais récupéré ici? C'est celui-là. Ventre rutilant, qui draine l'âme de son porteur.
Ok. Qui draine l'âme de son porteur et l'utilise pour donner naissance à des petits. Les petits n'ont aucun désir de manger ou de vivre et se sacrifieront pour protéger ceux qui leur ont donné naissance. J'essaierai ça à l'occasion. Pas maintenant, mais j'essaierai ça à l'occasion. Est-ce que quelqu'un se rappelle, est-ce que je suis allée chez Salubra pour augmenter en emplacement de charme ou pas? J'arrive pas à me rappeler. Je crois que oui. Ah mince, je sais plus. Bon écoutez, c'est pas grave, j'ai pas trop de pognon à perdre, donc je pense que je vais essayer la butte cristalline, histoire que ce soit fait. Parce que j'avais arrêté l'autre fois. Sacrifier des enfants, quelle bonne valeur transmet ce jeu? Oui, tout à fait, bien entendu. C'est très charmant. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai que moyennement envie d'essayer, on va dire. Parce que bizarrement, c'est un peu chelou, quoi. Ah, il va être de retour, lui. Ah, bah j'ai bien fait de... Et là. Yes. Ouais, parce que dans le tunnel, je vais avoir du mal à échapper à sa vague. Hein. Voilà. Donc, butte cristalline. Y'a rien que je peux dépenser pour 200 balles là, histoire. Ah, je vais le foutre à la banque, tiens. Voilà. On va les foutre à la banque, comme ça j'aurai vraiment, mais alors vraiment, aucun scrupule. Station de la reine, si je me souviens bien. Je dois pas avoir grand chose là-bas, donc au pire... Mais j'ai pas regardé. Je suis pas allée me renseigner, mais je suis sûre qu'il y a de merde avec la banque. Je suis sûre. C'est une espèce d'intuition comme ça. C'est trop beau pour être vrai, donc c'est forcément merdique. Voilà, c'est ça. J'ai peut-être complètement tort, mais... Ah tiens, d'ailleurs, elle me raconte quoi, elle, avec l'aiguillon? Quand pourrais-je retourner à ce spa si agréable? Ces os soulagent tellement bien toutes les tensions que je ressens dans ma carapace. Ah oui, c'est une carapace qu'il y a dans son dos. Allez, va lui mettre 200 balles. Comme ça... Ah mais non, je voulais pas faire un retrait, moi. Je voulais faire un dépôt, je suis bête. Ah là, on avait dit 400. Et... Alors, mon cristal, il n'y a pas de coléoptère. Du moins, pas pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Donc, ben, je vais retourner aux routes oubliées. Hein. Tranquillou. Tiens, il n'y a pas aussi quelqu'un ici Comment qu'elle s'appelle? Elle. Petite créature semble savoureuse, je me demande si je devrais la manger. Les autres dans les alentours étaient terriblement fades. D'accord, je me casse, bye bye. T'es pas gentil en fait. Ah non mais... Celle qui m'embête beaucoup c'est Myla. Voilà. Ça... Ça m'embête. Je sais pas du tout si à l'occasion de faire quoi que ce soit pour elle. J'ai l'impression que non. Alors. C'est laquelle? C'est la première entrée. Hein. Putain, je récupère du pognon à droite à gauche à chaque fois. Alors pour l'instant, je veux pas en récupérer. Je crois que c'est ça. Non. C'est en haut. Ah, ils me suivent. Ah. C'est là. Non. Si, c'est là. Non, c'est pas celle-là. Non. C'est pas là où... Eh
Elle était où, Myla? Je me suis paumée. J'ai réussi à me paumer, c'est pas vrai quand même. Donc moi, ah oui, la butte cristallisée, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Bon, faut que je me réhabitue à Plonce à la mine. Qui est très très belle. Que j'aime beaucoup. Putain. Oh, bah d'accord, ça commence bien. Bon, bah écoutez, c'est pas par là que je voulais passer. Je voulais aller voir la... mon petit mineur favori qui est tout mouru, je pense. Appelons Salamine. Ouais, c'est ça, c'est qui Salamine? Voilà. On va aller au banc. Et puis... on va remonter, hein. Donc il faut que j'aille tout à droite. But cristallisé. Il faut que je pense à ne pas sauter dans le repos éternel comme l'autre fois. Où j'avais l'air très bête. De genre, ah j'aurais peut-être dû utiliser mon cœur de cristal là. Ça aurait été bien. C'était fait pour, surtout. Ok, c'est là-bas. Bon, toi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je déteste ce passage. Et là, je peux pas utiliser le... Oh! J'ai réussi à pas tomber! C'est magique! Comment j'ai fait? J'ai rien dit. Ok. Putain. Ah, mais non. Je vais me faire crever en fait par cette cochonnerie. Ah, ça vous manquait, hein. Toutes ces morts si stupides. Avouez-le que ça vous a manqué depuis dimanche. Du coup, j'ai plus de soul. J'aimerais bien qu'il y ait un banc juste là. Donc, alors, c'est là qu'il faut... Ah bah non, attends. Il y a ça. Le bien placé. Merci. Je me demande s'il y aura un chaman ou s'il va y avoir une merdouille. Donc, ben, il faut que je... descende. Il y a rien ici, donc il faut que je descende, ok. Ouais, c'est là que j'arrêtais pas de me faire crever, en fait. Parce qu'il y a ces cochonneries... Voilà. Mais non! Putain! J'y crois pas. Non! Putain! Non! Ah si, j'ai quand même réapparu de l'autre côté. Je peux pas les buter, ceux-là? Non, je n'arrive pas, hein. Oula. Comment est-ce que je peux le buter? Parce que là, j'ai réussi à y aller. Putain. Non. Voilà. Bon ben, c'est parti pour la soirée, hein. C'est parti pour la soirée. Joie et bonne humeur. Parce que là où est mon cadavre, je vais rien récupérer. Hein. Mais bon, en même temps, j'ai rien à récupérer, donc je m'en fous. C'est...
pour les 20 balles que j'avais, on s'en fiche, n'est-ce pas? J'espère juste qu'il n'y a pas à me poursuivre. Honnêtement, le problème c'est que avec cet endroit, vu comment ça se passe, je sais pas comment ça va se passer pour la suite. On va soigner ce qu'on peut. Ouais, effectivement, si déjà ça j'arrive pas à le faire, c'était pas le chevalier que j'allais faire. Donc. Heureusement qu'il y a ça. Ah, plus rien. Ah, tout parti. Ouais. Tout est normal, tout va bien. Vous le sentez venir, le moment cirque? Casse-toi. Voilà. Alors, Batman, il est où? Il est là-bas. Ah, c'était pas loin pourtant. Comment vous dire? Il faut que j'arrive à l'attirer, mais je sais pas s'il va remonter. Hein. Bon. Là, je peux même pas dire donnez-moi un truc pour que ça passe, parce que je pense qu'il faut juste du skill. Hein. Je ne me trompe pas en affirmant cela, enfin j'espère. Enfin... Ouais. Non, je pense pas qu'il y a de trucs magiques, faut juste que je prenne l'habitude de le passer. Hein. Voilà. On voit du skill. Ouais, merci, dire. Fantasy, parce que va y en avoir besoin. Ok. Le vrai problème, c'est comme j'ai pas de quoi me soigner, forcément. Ça dure jamais longtemps. J'espère que ça vaut le coup, ce qu'il y a derrière la butte cristallisée. Hein. Bonk. Ok. Bon, bah je remplis le max. Et on va chercher Batman. Ah ouais, j'ai quand même récupéré du pognon, en fait. Vous voyez pourquoi je l'ai mis à la banque? Même si c'est que 300 balles. Et hop, 2 life. Ah non. Tu vas pas commencer, toi. Putain. je sens que je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Putain. Comment il faut que je fasse comme ça? J'étais au tel, t'as eu le faux chevalier des rêves? Bien sûr que non. J'arrive déjà pas à passer ici, alors tu penses bien que le faux chevalier des rêves... Non, là, je vais récupérer Batman. Voilà. C'est... Enfin, je pense que je vais pas le récupérer, en fait, vu là où j'ai crevé. Je vais juste essayer d'arriver jusqu'au bout. Genre, si je pouvais finir ça ce soir, ce serait bien. Ouais, je le ferai plus tard, hein. Mais j'ai regardé un petit peu déjà ce que ça donnait, mais c'est vrai qu'il est... Il est bien balèze, quand même, hein.
Bon. Eux, si j'arrive à les éviter, ça va. Comment perdre 2 life à chaque fois, juste 3. Putain, mais non, mais non. Comment je suis censée récupérer mon cadavre comme ça, hein? Bon, remarquez, au moins comme ça, il se rapproche, hein. Ah là là. Mais là, je transpire des mains quand je joue à ce jeu, c'est terrible. C'est tellement stressant, en fait, l'air de rien. Bon. Ben ouais, ça va pas être super fifou ce soir, hein. Ça va être bonjour, j'essaie désespérément. Comment dire? Je continue même pas, je vais aller me soigner, puis je remonte, hein. Voilà. En fait, s'il y avait que les plateformes ou que les insectes, ça irait, quoi. Le problème, c'est les deux à la fois. Alors... Je sais même plus où je suis crevée, moi. C'était là? Ouais, c'était quelque part dans le coin, hein. Oh, les Batman, viens là! Voilà. Ce sera toujours ça de prix. Ah! Putain. C'était pas le but. donc. J'aime bien ce truc. Très marrant. À faire très attention à ne pas foncer trop vite dans les murs, hein. Voilà. Bon, ben, j'ai autant que possible. Allez, go. On va arriver à se le faire, ce truc, quand même. C'est pas le machin le plus compliqué du jeu. Hein? C'est un peu pour ça que ça me fait peur. Non, je déteste là parce que maintenant je suis coincée. Putain. Oh non, 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 non. C'est des cristaux, faut que j'attende qu'ils s'en aillent. J'attends qu'ils pètent. Putain. Ok. Ouais, bah là, ça va pas être fort. Hein. Oh! Oh, putain! Je l'avais pas vu, lui! Bon, allez, chaque fois, je gratte 2 mètres. Ouais, presque, c'est ça. Ce jeu, c'est faut l'avoir à l'usure. C'est soit c'est vous qui l'avez à l'usure, soit c'est lui qui vous a à l'usure, je crois. C'est... Mais n'empêche, je préfère toujours faire 2 heures de Hollow Knight que 2 heures d'une conférence call avec un client, donc ça me va. Alors... Putain. Mais non! Comment dire? Est-ce que je peux arriver à le choper? Non, je vais me faire crever pour pas grand chose ici. J'essaye de récupérer de quoi me soigner avec lui, mais... C'est vraiment la technique du planqué, hein. Allez, un deuxième masque. Yeah, yeah, yeah. Yay!
Go, fonçons dans le mur. Alors. Je sais pas combien je peux en récupérer. Ah non. Bon, je serai à 5 masques. Là, le problème, c'est qu'il y aura Batman, en fait. Oula, ah. Putain. Non, non. Du coup, il y a tout qui m'attend en haut, hein, parce que. J'espère que vous trouvez ça drôle. Comme moi, tout le monde rigole sur ce stream. Désolée. Ah, allergie de... Et encore, ça va, il pourrait être pire. Hein. Oh, comme dit, je gratte 2 mètres à chaque fois, hein. Enfin, 2 cm. Mais je deviens un peu meilleur pour esquiver ces petites cochonneries là. Putain, j'ai rien dit. Ah là là là. Oula. Ok. Donc lui, on va l'attendre. Oh, j'ai déjà perdu un peu moins de masques qu'avant, hein. Hein. Hein que ça va mieux, hein. Alors. Alors. La question, c'est est-ce que ce skill s'arrête s'il n'y a pas de mur? Ou est-ce que s'il n'y a aucun mur, il continue encore et encore? C'est que le début, tout ça. Ah, je suis curieuse. Je pense pas que j'aurai l'occasion de tester ça, mais... Alors, un petit instant. Un truc coincé. Voilà. Petit cheveu dans le oreille. But cristallisé, purée. Donc qu'est-ce que je fais, moi? Allez, on soigne ce qu'on peut. En vrai, je ferais mieux d'aller mourir un petit peu avant. Comme ça... Je vais y arriver, hein. Yes. Oh, oh le chiant lit. Ah non, mais regardez-moi ce truc. Putain. Ok, faut que je grimpe le long du mur, je pense. Ah! Là, je sais pas comment faire. Ok. Peut-être. Alors, peut-être quoi? On va faire ça comme ça. Parce que du coup, j'ai pas vu à quoi tu réagissais, Klingri. Ah non, mais ça vient tout doucement.
Faut pas être pressé, mais ça vient. Ouais, là faut juste en fait que je le fasse vite, quoi. Faut aller à gauche, continuer vers le haut, c'est juste pour la larve. Ah ouais, pour la petite chenille, ouais. Putain. Ça par contre, ça m'embête d'avoir perdu deux masques là-dessus. Mais tant pis. Ah non, 3 quand même. Ah ouais, d'accord. Et bah on va recharger. Continue vers le haut, c'est juste pour la larve. Vous voyez que j'ai failli sauter de nouveau. Réflexe. Je devrais arriver à me soigner. Et c'est après que Batman va aller m'embêter là-haut surtout, c'est ça quoi. Vous avez vu comme j'ai failli m'exploser sur les cristaux? C'est... En fait, c'est une forme de skill également, hein. Si, on voudrait le faire exprès qu'on n'y arriverait pas. Voilà. Ok. Donc il y a le petit là-haut qui va m'embêter. Ah! Mais je... Où est-ce qu'il était, lui? Zut, j'arrive pas à l'avoir. Lui, il va m'embêter vraiment si je m'en débarrasse pas. Bon, ben... J'allais dire, j'ai deux masques, non. Je sais déjà plus comment j'avais fait, tellement... Ah, salut toi. C'est pas génial que je te trouve maintenant, mais... Et j'imagine qu'ici, il n'y a rien de spécial. Alors... Ah oh, putain. Bon bah. Bon. Allez, retour. Je pourrais avoir 15 masques. Avec l'usée, je mourrais encore. Je suis quand même curieuse de savoir combien de temps vous avez mis à passer ça. Vous allez me dire genre 3 essais. Puis je vais me sentir toute pourrie. Parce que les quelques fois où j'ai regardé des streams et les gens ils faisaient ça, ils faisaient ça les doigts dans le nez quoi. Donc. Ouh, mais quel petit bâtard lui là-bas! Oh, quel petit bâtard, regardez-moi ça! Voilà. Ah bah c'est bon. Il me semblait que j'ai... Il fallait que je mette plus de coups à lui. Boum. Allez, on soigne ce qu'on peut. C'est l'enfer, hein, ce truc. Et j'imagine que c'est encore un... C'est une partie facile du jeu, c'est le début du jeu, c'est ça. C'est pas le endgame. Allez, go! Motivation! Ou pas? On va soigner quand même. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de faire des sauts plus courts? Putain, c'est pas vrai. Mais quelle vicelardise, hein! Ah, suite, ça me gratte, j'en ai marre.
Une azo qui pique, c'est horrible. Admirez ces superbes petits cris que je pousse à chaque fois que mon perso tombe dans le vide. Bon bah je retrouverai Batman plus tôt que prévu. Allez go! Comme dit, au moins sur cette fois, j'ai pas 1400 balles à perdre. Et ça... Et encore, je suis sûre que c'est rien quoi. J'ai sans doute déjà pas mal d'objets dont j'ai besoin pour la suite. Pourquoi je mets tellement de temps à faire ça, moi? Là, hop. Décidément, il faut à chaque fois que je crève deux fois ici, hein. Bon, on va attendre qu'il pète. Voilà. Bah voilà. Comment parler pendant le stream? Bah je vous joue à Hollow Knight, vous mourrez 40 000 fois, vous aurez toujours quelque chose à dire sur chaque mort. À chaque fois c'est un peu différent. Bon. Bon ça va, au moins j'arriverai avec le max de masques. Que j'ai pour l'instant. Je vais peut-être faire la technique de mourir avant. Une fois sur deux. Comme ça, je récupère mon fantôme avant. Je peux faire le plein d'âmes. Et après ça, je suis tranquille. Bon, le piercing, là, il m'embête un peu. Non, là, je vais pas y arriver. S'ils sont là, m'attendent tous les deux, je vais pas y arriver. Ah, quoique. Putain! Ah non! Ah, mais ce somme! Cette misère absolue! Ah, s'il pouvait venir, lui, ça serait bien. Parce que, bien évidemment, il descend pas, hein. Allez, descends. Non. Bon. Alors, Batman, où es-tu? Genre là où il faut pas. Ça va, vous êtes pas lassé encore? Talala. Bon, celui-là, je commence à connaître par cœur maintenant. Jusqu'à chaque petite pointe sur chaque petite plateforme. Ok. Donc, est-ce qu'ils vont les petits bâtards ici? Lol. Mais non, c'est pas vrai. Est-ce que je ferais pas mieux de crever là, en fait? Non, mais je disais ça pour rire. En vrai, je vais forcément crever avant le truc. Hein. C'est marrant d'une certaine façon, n'empêche. Donc, on y retourne. C'est vrai que ce jeu vous apprend la patience. Et le fait de réessayer encore et encore. Qu'il y ait ou non des résultats, d'ailleurs. Comment dire?
Bon. Est-ce que je vais recharger de la vie au banc tout connement? Parce qu'en fait, là... Hein? Maintenant que j'ai récupéré mon corps. Oh putain. Ça, c'était la nazitude maximum. C'est là? Non, c'est pas là. Il est où le banc? Merde. Ah, il est là. Voilà. Ça, j'ai plus d'âme. Mais au moins, j'ai ma jauge potentiellement complète. Ouais, le truc qui m'embête en fait surtout, c'est que je physiquement, j'entends au niveau de concentration, je fatigue très très vite. Et sur ce type de jeu, c'est pas génial malheureusement. Enfin, je veux dire ce type de jeu où justement, faut réessayer encore et encore, hein, on se comprend. Faut que je me rappelle de foncer ici, hein. Bah, décidément, c'est pas gagné, hein. Voilà. Faire ce qu'on peut. Ah, c'est quoi? C'est le cadavre du truc là que j'ai buté avant. Donc là, il faut que je bourre. Hop. J'aime bien ce skill, il est juste fun en fait. J'ai mis le charme pour soigner plus rapidement. J'ai mis quoi? Canalisation rapide. Ouais, non, je l'ai mis. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup de différence, on va dire. Ouais. Donc en fait, le truc ici, c'est que si je réussis pas du premier coup, par contre, là, ça merde. Genre maintenant, ça va merder, voilà. Alors. Non, ne pas essayer de me soigner ici, ça va juste être la merde. Voilà. 4 masques, est-ce que c'est faisable? C'est faisable! Avec du skill! Lol! Comment il faut que je fasse là-dessus? Oh putain! Tout ça pour ça? Attendez, c'est sérieux, j'ai fait tout ça pour ça? Oh non, c'est pas possible, il y a autre chose. Il n'y a pas qu'une chenille là-haut. J'ai pas fait tout ce chemin pour une chenille. Si? Je suis allée à la large les récupérer. Ok, bah écoutez. Il y a de fortes chances que je recrève là-dessus, hein, parce que... Ah, là, il y a quelque chose. Ah, voilà! Ok. Je me disais, c'est pas possible, il n'y avait pas qu'une chenille là-haut. Oula, qu'est-ce qui se passe là?
Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Libérez-moi. Se faire accueillir par tout ça pour ça. Non, non, mais il y a ça. Bon, ça sent le mini-boss, c'est ça? Ah. Ah, ouh. Ça pique. Ténèbres descendantes. Oh, cool! Un nouveau sort. Donc alors c'est quoi? Appuie rapidement sur B en maintenant la touche bas enfoncée. Ok, il va falloir un petit peu d'entraînement parce que entre le Desolate Dive et ça, le Desolate Dive, il faut que je saute et que je frappe vers le bas en appuyant vite sur B. Et ça, il faut juste que je frappe vers le bas. Ok. Bon. Il faut que je reparte en arrière. Ah non, ça va. J'entends des trucs qui font des petits bruits. Il y a quoi là-dedans? J'ose pas les voir. Ah ben non, attends, je suis bête. C'est le truc où j'étais avant. Ah non, il n'y a plus de soul. Il n'y a pas de raccourci pour rentrer, hein. Ah si. Bah écoutez, on va prendre le raccourci par là, hein. Lui, je pense qu'il n'y aura plus rien maintenant. Ouais. Xero, je me le suis frité la dernière fois, donc... Bon! Bah ça va, je pensais devoir mettre 2 heures pour arriver à faire ça, mais finalement, j'ai mis qu'une demi-heure. Ça s'améliore, c'est cool. Je pense que par contre, je sais plus combien j'ai en... En essence, je crois que j'ai pas les 200 qu'il me faut. Hein. Ah ouais, me dis pas combien j'ai. Ok. Je pense qu'il me manque facilement 100 ou 150. Bon, bah on va aller chez Monsieur le Coléoptère. Yo-yo ! Voilà. Bon. Tant que j'ai pas beaucoup de pognon, je vais en profiter. On ira voir Papa Chenille tout à l'heure. Mais pour l'instant... je veux tenter ça, les trucs là en bas. Les trucs que j'ai pas fini. Oh putain, je suis loin. Celui avec les épines. Je pense que je vais souffrir. Vraiment, ça va être le chemin de la souffrance, effectivement. Hein. Voilà. Il n'y en a pas un autre encore en... Voilà. Ensuite, donc faut que je descende tout en bas. C'est pas le chemin de la souffrance. Non, non, c'est pas encore le chemin de la souffrance. Je pense que la vraie souffrance ne viendra que bien plus tard dans le jeu. Ah, c'est bon, il est tombé là en bas, lui. Non, non, c'est celui-là à gauche que je voulais essayer. Ah! Bah, je savais qu'il y a une plante carnivore dans le coin. Oula. Boum. C'est dégueulasse ce truc orange là qui apparaît à chaque fois. C'est un tout petit peu plus bas. Voilà. C'est ça. Donc je sais pas du tout où ça va mener. Je profite que j'ai que 40 balles. J'ai rien à sacrifier, c'est cool.
Oh, vous entendez la musique? Qui s'est faite plus entraînante? Oh, ça va être chaud là-haut. D'accord, alors il faut pas que je monte comme ça. Pas comment. Ah ouais, celui-là, il faut que je le fasse avec le... Ouais. En fait, celui-là, faut le connaître par cœur, je crois. Donc je vais le faire jusqu'à ce que je trouve ce qu'il faut faire. Putain. Voilà, hein. On en met un peu plus à chaque fois. Heureusement quand même qu'on reste accroché avec ce truc. Hein. Ah ! Dommage. Mal estimé. Je pense que la technique est pas trop dégueu. Par contre, je vais même pas aller récupérer mon cadavre. Hein, alors là... Là, le pauvre Batman, je suis désolée pour lui, mais... Pourquoi je fais ça, moi? Bon, c'est pas grave. La la la! Faudrait que je le cogne deux fois, ce serait plus efficace. J'aime bien mon aiguillon augmenté quand même. Rien que ça, c'est tranquillou. Oh bah attends, tu sais quoi toi? Voilà. Tu as essayé de m'attaquer, donc tu mérites de souffrir. Bon, bah écoutez, j'ai autant de dames que possible. C'est pas là. Et voilà, je savais qu'avec ce skill, je pouvais au moins tenter de faire ce chemin. Maintenant, on va voir si je peux arriver jusqu'au bout. Ah putain! J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. Pas un ou deux machins, une deux merdues à buter ici, non? Non. Ah tiens, ah voilà. Ça. Ah bah non, il se passe rien. Bon. J'espérais que j'aurais un petit texte en plus, mais non. Hélas. Donc. Il faut pas sauter trop en plus, hein, attention. Putain. Il faut que je me laisse tomber un tout petit peu. Mais non. Mais non. Ah mais c'est au poil de cul près ce truc, hein. Comment vous dire? Après, il y en a un autre sur lequel il faudra que je saute. c'est rigolo d'une certaine... Non, pas dans ce sens. Voyons. Mets-toi dans ce sens, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi il est là, lui? J'ai pas compris ce qui lui arrivait à lui par contre. Bon, heureusement que je reste accroché quand même. Hein. Ok, ça c'est fait. La la la. Bon bah on recommence. Hein.
J'avais indiqué dans le titre du stream, hein, ce soir je me petit suicide à Verchemin. Voilà. C'est par là que j'étais allée. Oh bah. Quand tu utilises ce moyen pour te déplacer, tu fais des dégâts à la créature derrière toi, du coup tu l'as tuée. Ah d'accord, ok. J'ai effectivement pas percuté que je lui faisais des dégâts. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Bon, rassurez-moi juste quand même, on est d'accord, je suis sur la bonne voie avec cette technique. Hein. Je pense pas qu'il y ait un autre moyen de le faire. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je n'en vois pas d'autre. La la la. C'est la bonne voie, ok. J'ai pas eu tout ce qu'il y a derrière, j'espère que ça vaut le coup. Ah bah ouais, du coup, j'ai pas essayé le sort que j'ai gagné, mais on va attendre... Bon, c'était pas le pire endroit pour le retrouver, ça me va. Oula, regardez-moi ça. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je suis arrivée sur les épines quand même. J'aime bien la musique ici. Poil de cul, bonjour, je te retrouve. Oh putain, mais non! Quand c'est pas un, c'est l'autre! Est-ce que je suis au bon endroit là entre les deux? Ok, alors. Putain. Je pense que la technique est pas mauvaise. Mais... Putain. Je vais crever ici, en fait. Ok. Non, j'ai pas fait le bon bouton pour frapper. T'as fait comme ça toi aussi, ouais. Attendez, pour frapper vers le bas, on est d'accord. Ouais, c'est bien ça. Bon, ben... J'ai pas frappé vers le bas. C'est... c'est un fait. Bon, écoute, si ça commence comme ça, déjà... Hein. Donc ça c'est fait. Bon, j'allais buter quelques plantes carnivores histoire de... Voilà. Ça me fera de la thunasse. Puis surtout... Oh, il y a un petit machin choupi que je vais ben, taper parce que... Je suis désolée, petit machin choupi, mais... J'ai besoin d'âme. Ah. Oh là là. Mais vous voyez pourquoi j'y suis allée sans pognon sur ce truc? Pourquoi je tryhard sur ça quand j'ai pas de pognon? Parce que comme ça au moins je sais que j'ai nos regrets. Voilà. La la la. Mais ouais, alors ça on est d'accord, c'est vraiment le truc, il faut le connaître par cœur en fait. Hein. Je vais vous laisser, je suis fatiguée. Bonne soirée tout le monde et bonne exploration. Ouais, bah bonne soirée à Zeyla, bonne nuit, dors bien et tout, repose-toi bien. De toute façon, ce soir j'avais dit, enfin c'est pas forcément un stream long parce que déjà j'ai commencé plus tard que d'habitude. Et... J'ai fait une reel Saint-Bretzel d'ailleurs, parce que j'ai un peu la dalle. Voilà, petit bretzel, c'est trop bon ces trucs. Donc ouais, je vais faire ce que je peux, au moins ça me permet de découvrir ce chemin. Et puis... Bah voilà.
Ah merde. Non ! Pas bon endroit. Ah là, j'ai fait la conne. Là, j'ai vraiment fait la conne. J'aurais dû me mettre beaucoup plus... J'aurais dû me mettre au milieu, en fait. Un jour, j'y arriverai, je vous promets. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Ouais, là, je suis bien. Ah, c'est plutôt gentil de me mettre mon corps ici. Bon bah il faut que j'apprenne à frapper vers le bas, hein. J'en ai fait un de plus. Ça vient tout doucement. C'est magique. Ah tiens. Bah oui, carte mise à jour forcément puisque je suis arrivée un peu plus loin. Il y a bien un truc au bout, ok. Attendez, il y a aussi un autre endroit où il y a un truc qui brille, je sais plus où c'était. J'aurais dû le mettre sur la carte, merde. Je l'ai pas mis, je suis conne. Mais... C'est en allant vers le sanctuaire de pierre. Pareil, le lac d'une. Je suis sûre qu'il y a un truc au bout. Bon, je tryhard un petit peu ce morceau-là maintenant, hein, on est d'accord. Histoire quand même que ce soit pas perdu. Voilà. Toi, tu meurs pour les autres. Bon bah je suis au max de sol, mais c'est pas grave. L'autre qui me pète à la face là comme ça, tranquille. L'air de rien. Ah non, j'ai pas le choix, faut que j'apprenne par cœur ce chemin et que je sache exactement où aller quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment le temps de réfléchir, on va dire. Putain. Voilà, ça c'est le problème. Je sais pas si c'est marrant ou si c'est frustrant, je crois que c'est un petit peu des deux en fait. Et quand enfin on y est arrivé, qu'est-ce qu'on est content! Ah putain! Non! Mais non! Pourtant je l'ai fait tout à l'heure. Faut vraiment que j'apprenne à m'accrocher correctement. Ah, pas au bon endroit. Non, 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 non. J'apprends à utiliser ce skill peu à peu, petit à petit. C'est... Mais peut-être pas tout de suite. Voilà. En fait, là, faut que je me mette vraiment au milieu du bousin, quoi. Passer entre les deux. Voilà. Allez, viens, Batman. Ah, je suis que au milieu de ce truc. Ah non, là, si je l'ai raté une fois...
Et mais je vous assure, j'ai les mains en sueur sur ce jeu. C'est pareil pour vous ou c'est juste moi qui suis trop nerveuse? Parce que du coup, j'ai la manette qui me glisse un peu entre les mains, quoi. C'est un peu le souci, c'est pour ça que je le mentionne, hein. Autrement, évidemment, il n'y a aucun intérêt. Ah oui, c'est vrai que toi, tu méritais de mourir. Pardon. Voilà. Va mourir dans un coin pendant que je suis pas là. Y a pas de plante ici, non, ça va. Je vais me poser la question à chaque fois, hein. Est-ce qu'il y a une plante ou pas? Le jeu qui met la petite musique pépouze, hein, l'air de rien, là. Putain. Ce qui est saoulant, par contre, c'est qu'il faut recommencer là. Mais je vois pas trop où je pourrais recommencer autrement. Arriver à m'accrocher là. Je dois avoir les doigts qui glissent. On va dire ça comme ça. Hein. Histoire de dire quelque chose. Allez, je suis arrivée à faire la butte cristallisée. Je peux arriver là aussi, non? Non, si. En fait, c'est ça, je m'accroche pas. Vous savez quoi? Je vais quand même essayer d'aller buter un ou deux trucs. Juste me refaire une petite santé, on va dire. Genre ça. Hein? On va dire qu'elle l'a cherché. Là par contre j'ai eu du bol. Donc il faut juste que je me fasse un masque. Où est-ce que je peux trouver encore quelque chose? Petit truc à buter, non? Bah voilà. Je suis désolée pour lui, hein. Ou elle. Ou ça. Je ne sais pas. Oup, oup, oup. Promenons-nous dans les bois. Bon, les pipines de la mort. Je pourrais sauter sur lui aussi, mais bizarrement, j'ose pas. Je me demande pourquoi. Voilà, c'est ça, je me suis pas accrochée comme il fallait. Pas loin. Putain. Je suis pas loin, hein. Putain, mais non. Il faut que je fasse mon dash plus proche de... Non. Comment est-ce que je le faisais fait? Voilà. Vous l'aviez venu venir, celle-là? C'est un skill, je vous assure, c'est un skill. Oh bah on y retourne, hein. La la la. Popodum. Comme ce beau skill. Ah non, non, mais sérieux, Kevlasco. Hein. Sérieusement, c'est... on voudrait le faire exprès qu'on y arrive. Je vous mets au défi de faire ça exprès. Voilà. Vous tous qui savez jouer à ce jeu, je vous mets au défi d'arriver à faire les mêmes conneries que moi exprès. Vous verrez que c'est plus dur qu'il n'y paraît.
Si, si. Je vais retourner le dos à votre fantôme. Ah bah il y en a encore un là. Ah oui, pas trop rester à côté quand même, parce que j'aime bien le regarder agoniser, c'est vrai, mais bon. Kev Lasco, ton emote c'est une chauve-souris, c'est ça? Là, celui que t'as mis ici? Au début j'hésitais, je croyais que c'était un chat noir, mais je me suis dit non, vu l'identité là, la charte graphique de ton stream, c'est forcément une chauve-souris. Yop. Putain non, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'était un truc à la con que j'ai fait. Ça aussi. Joie et bonne humeur. Hein. C'est vraiment du tryhard ce soir. Hein. Enfin, sur des conneries aussi, j'ai envie de dire. Mais... Allez, si je le rate encore ici, j'irai faire pareil qu'avant. J'irai chasser 2-3 merdouilles pour... Bon, ben, on va se refaire une petite santé, hein, comme avant. Ah tiens, il y avait quoi là? Ouf. C'est pas ici qu'il y avait un... Je cherche un autre truc en fait. Non, c'est pas là. Bon. Je vais pas non plus trop perdre mon temps ici. J'ai dit que je voulais essayer de faire ce chemin. Et il y en a un deuxième après. Tout en haut, avec le lac Dune. Il y en a un deuxième. Mince, attendez, c'est pas là que j'étais. Ah si, c'est là que je voulais remonter. Ok, j'ai rien dit. On va chercher la plante carnivore. Hein. Ah, je croyais qu'il était plus au milieu, moi. Je vais être bonne pour remonter au banc à ce niveau-là. Hein. Parce que là, avec 3 masques, ça va pas le faire. Hein. Bon, bah où est-ce qu'il y avait encore des petits trucs là? Y'a pas encore une plante quelque part là que j'ai pas buté au passage? Ah, j'ai tout buté, je crois. Mais bon, bah je vais essayer avec 3 masques. Hein. Trois mois, pardon. 5, moi je sais plus compter. Là. Quand je vous dis que le boulot c'est fatigant et que j'ai plus de cerveau là, j'en ai déjà pas beaucoup en temps normal, hein, évidemment, mais. Mais non, pourquoi je fais ça à chaque fois? J'ai tellement peur de tomber, de pas arriver à me raccrocher, je crois. Bon, allez. Ah non, je vais pas juste me raccrocher nul comme ça. Hein. Tralalala. Pas dans ce sens. Enfin, je pourrais le faire aussi, mais ça servirait pas à grand chose, on va dire. Ça, par contre, je comprends pas pourquoi des fois j'y arrive et d'autres fois pas. Parce qu'au niveau de mes doigts, je vois pas vraiment de différence dans ce que je fais. Et c'est vraiment bizarre. Bah, j'ai plus qu'à espérer qu'au bout d'un moment, les réflexes vont tous devenir les bons. Et pas de réflexes malheureux, je pense qu'il y a que ça à faire. Hein. Encore une fois, si je me trompe, n'hésitez pas à me faire signe, mais... Voilà.
En fait, pourquoi je l'attendais, lui? Allez, viens là, toi. Taper un peu d'âme. Taper du pognon. Même si en vrai, de toute façon, lui, je dois me le fader à chaque fois, donc... Ah oui, la plante. Toup-toudoum. Allez, on va récupérer Batman. Je sais pas où il est, du coup. Ah bah il est là. Ah! Quel petit bâtard! Regarde-moi ça! Bon, on va récupérer de l'âme, hein. Puisque je peux la charger. Tout ça pour ça. Qu'est-ce que j'avais pas encore buté là-haut? L'autre plante? Voilà. Bon, ben écoutez, on va faire avec ça, hein. Je suis bien contente d'essayer ce truc quand même, parce que c'est pas facile, mais c'est sympa là. C'est pas trop prise de tête non plus, dans le sens où... C'est pas un boss quoi, j'ai pas des nouvelles tactiques à apprendre. Bien fait de charger, hein. Bon. Ça, je me suis planté de bouton cette fois. Non, je me plante de gâchette, putain. C'est celle de gauche. C'est pas le dash. Ah, je vais encore crever ce soir. Bah, c'est pas grave. Ah non, et du coup, j'arrive pas à me mettre dessus. Pourquoi avant j'y arrive et là j'arrive pas? Je vais pas y arriver. Je vais passer 3 streams sur ça. Non mais le pire c'est que parti comme ça... Je vais essayer de le finir ce soir mais je garantis rien. Hein. C'est... On va voir, on va voir. Le problème c'est que c'est long en fait. Comme chemin. Alors t'es où toi? T'as mis où? Voilà. J'étais passé par où? On passait par là? Il me fera toujours des trucs à récupérer. Ah, ok. Bon. On va faire ça comme ça. J'ai autant que possible. Donc, on y retourne. Si vraiment ça va pas, je fais une pause 5-10 minutes histoire de... Merci de m'attendre là, Batman, c'est gentil. Toujours un petit coup, hein. Bah on va se charger hein. Pour pas changer. Ah. Qu'est-ce que j'ai pas buté? Lui je l'avais pas buté encore. Hein. Le machin qui pue là. Et puis la plante. En fait je me dis je devrais peut-être pas garder le charme qui fait la thune là mais bon. Il est quand même bien utile. Voilà. Allez,
J'ai toutes les chances de mon côté. Vous y croyez? Vous y croyez à ça? Yeah! Ouh, cette fois j'ai réussi. En fait, je m'arrêtais là, je bougerai plus jamais. Ok, et là, c'est le truc où vraiment j'ai du mal encore. Voilà. Pff. En plus, c'est deux morts pour le prix d'une, hein. C'est vicieux quand même. Mais en vrai, je ferais pas mieux d'essayer ça tout connement, moi. Ok, d'accord. Ah, pas déconnante comme technique. Sérieux, je suis arrivée à quelque chose. Maintenant, je sais pas du tout si je vais au bon endroit. Mais... est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-haut? Ou pas? Je suis où? Putain, j'ai trouvé un raccourci? Non! Est-ce que j'ai trouvé un raccourci? Ouais, je retourne en arrière, mais... je veux voir, est-ce que ce passage, je peux l'ouvrir pour... que j'ai raccourci pour la fois... ah, non. Ah, dommage, dommage. Ils te font passer par en bas qu'une fois. Ouais, justement, c'était ça que je voulais voir. Si je pouvais arriver à... mais visiblement, c'est pas un raccourci, en fait. Enfin, si, ça raccourcit, mais que dans un sens. Voilà. En fait, ah, il y a quelque chose là en bas, tiens. Je sais pas ce que c'est. France, ouais, super. J'espère que c'est intéressant là-haut. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Ouh. Ah putain. Cette loose, c'est magique. C'est absolument magique. Je suis désolée, c'est nerveux. Ah, j'en peux plus. J'y pépé ce truc. Ouh. Il y a un monsieur avec une drôle de tête. Chio, maître d'aiguillon. J'aime bien. Par contre, il veut me vendre des trucs. J'ai plus de pognon. Hein. Visiteur, pourquoi tes trucs glissés ici, petit verre? Peut-être que comme moi, tu as le goût de la découverte. Je suis Chio et dans une vie antérieure, j'étais maître d'aiguillon. Oui, la seule chose qui me poussait était de devenir plus fort et d'affiner mon talent avec un aiguillon. Je pensais que c'était ma seule vocation dans la vie, mais ce sentiment a disparu au fil du temps. Maintenant, je suis à la recherche d'une nouvelle vocation. Quelque chose qui touche mon âme et me pousse à aller de l'avant. Je sais pas ce qu'il peint. Un crâne. Pourquoi pas. Nature morte, littéralement. C'est pourquoi je passe tout mon temps ici, isolé, essayant de maîtriser l'art de création. Peindre, sculpter, ces choses procurent un plaisir complètement différent. Tu ne sembles pas très ému par ce que j'ai dit. Mais t'es ce Chéo, le maître d'aiguillon que tu cherchais? Non, mais je me promenais, j'ai vu de la lumière. Es-tu venu apprendre un art de l'aiguillon? Je te l'enseignerai si tu insistes. Oui, j'insiste! Oui, merci. Ah, stylé! Ah!
en taille implacable. Maintenir X pour canaliser l'énergie dans l'aiguillon. Relâcher le bouton tout en maintenant la touche haut ou bas enfoncée, purée. D'ici à ce que je puisse l'utiliser, ce truc, je vais avoir oublié que ça existe, en fait. Alors, mon travail t'a-t-il ému? Oui. Le maniement d'un aiguillon, le maniement d'un pinceau, ces choses ne sont pas si différentes. Nous nous taillons un chemin dans le monde afin de pouvoir l'admirer plus en profondeur. Le truc que t'as jamais utilisé, mais si ça se trouve, moi non plus, en fait. Pour le moment, je n'ai plus rien à t'enseigner. Le chemin à suivre, toi seul peux le voir. Bonne chance. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je veux aller voir ce mec, il va falloir que je refasse ce chemin de merde. Attends, on va quand même essayer. En vrai, ouais, mais je vois pas dans quelles conditions je vais l'utiliser, parce que sur un combat de boss, par exemple... Oh! Révèle-moi tes secrets. Oro, mon frère, qu'est-ce qui t'a poussé à te cacher au fin fond de cette tombe balayée par les cendres? Est-ce l'orgueil, la peur ou la honte? Peut-être devrais-tu ranger ton aiguillon si cela te hante ainsi. Trouve-toi une nouvelle vocation dans la vie qui pourrait apaiser ton âme. Un mec qui s'appelle Oro caché dans une tombe. Il n'y a pas un sarcophage que j'ai explosé, une sorte de truc comme ça à... au repos éternel, maintenant que j'y pense. Est-ce que ce serait ça? Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe si je descends là? Il se passe ça? Ok. Bon. Donc là, par contre, heureusement qu'il y a le raccourci, on est d'accord, parce que je me sentais pas de refaire tout dans l'autre sens. Eh, j'y suis arrivée. J'y suis arrivée avant la fin du stream. Ah non, quand même, c'est des petits passages comme ça, des petits succès, des petites victoires. Ouais. Bon, en vrai, je pourrais jamais remonter par là non plus, on est d'accord, c'est dommage, mais... J'y suis arrivée! Je vais aller me soigner quand même, maintenant. Je sais pas s'ils ont respawn. Yeah, ils ont respawn, super. Je vais quand même aller à l'autre banc, parce que si je crève codement maintenant, ce serait un peu dommage. Toi, tu vas mourir. Enfin, zut. Je peux plus mourir maintenant. Vu qu'elle est déjà morte. Bah écoutez, en fait, je vais aller au banc. Hein. Je me fais un petit stock d'âme. Je vais aller sauvegarder là-bas. Vu que j'ai plus besoin de retourner voir Sheo, effectivement. Mais... Bah, je suis quand même contente d'y être allée. Je sais pas si j'utiliserai ce truc, effectivement, mais... Parce que... ça met... Le temps de chargement est trop long, en fait. Voilà, c'est ça. Putain. Non. En vrai, mais je suis en train de jouer au con, là. Force de me prendre des dégâts pour que dalle, hein. Bon, direction le bambin. Tu peux retourner à l'Honest après, juste pour voir si tu as raté un truc. À l'Honest, ouais, mais quelle partie de à l'Honest? Tu veux dire Dirtmouth? Ici? Parce que à l'Honest, c'est tout le truc, je crois. Hein. Dirtmouth, ok. Si tu parles de Zot, il est mort, hein, donc il sera pas à l'Honest. Mais ouais, je sais pas, par contre, je sais pas ce que tu veux voir, donc... C'est toi qui mélange tout, c'est pas grave. Tiens, je sais pas parler. Ah, le vieil ascenseur. Ah mais oui, celui-là j'ai débloqué aussi. Raccourci vers les mines. As-tu déjà été là-haut? Est-il vrai que des cristaux poussent partout où l'on marche? Hélas, oui. Une fois, un villageois a rapporté certains de ces cristaux au village. Je ne comprends pas bien l'attrait envers ces choses-là. On ne peut pas les manger, ils ne font pas de très bons oreillers. Si tu veux mon avis, je ne pense pas qu'ils soient vraiment très utiles. Alors,
Le mec qui veut faire un oreiller avec un cristal, je veux dire, ouais, pourquoi pas, mais... Vers la droite. Le fossoyeur, je l'ai buté, en fait, je pense. Si c'est ça que tu cherches. L'ascenseur, je l'ai débloqué. Et Gigi, j'ai débloqué. Là, par contre, c'est très con, ce que je viens de faire. Ah, il redescend tout seul, ça va. Ouh. J'ai vu ce que je voulais voir. Tu voulais voir quoi si j'avais buté le fossoyeur? Mais par contre, j'ai pas zoute. Elle est la plus rare à vendre, je pense. Ouais. Pardon. Et Sly, je crois que... Un autre truc. L'ascenseur? Gigi? Puisque j'ai débloqué, tu peux me dire ce que c'était, hein. Non plus, d'accord. Alors si c'est pas l'ascenseur, si c'est pas Gigi, si c'est pas le fossoyeur, là j'avoue, je vois pas trop. Tu l'as pas débloqué. Ah d'accord, ok. Donc ouais, ok, donc pas de spoiler, d'accord. Parce que je me disais, si c'est un truc que j'ai débloqué, j'aurais dû le voir, normalement. J'essaye de me rappeler à Vers-Chemin, il y a un endroit où je voulais aller aussi. J'en dirai pas plus, ouais, merci. Je pense que c'est quelque chose que je débloquerai par la suite. De toute façon, ça c'est ma partie découverte, et s'il faut, je ferai une partie plus tard de nouveau, vraiment offline, où là je ferai tout. Alors je suis à la recherche, je crois que c'est en allant vers la partie sanctuaire de pierre. Un endroit où il faut que j'aille sur la gauche, il y a un truc qui brille. Mais pour l'instant, j'ai pas pu le débloquer parce que je n'avais pas le cœur de cristal. C'était trop loin pour faire un dash. J'ai essayé, je suis tombée. Évidemment, hein, je vous cache pas. Donc, je pense que maintenant, je peux y aller. Si ça se trouve, c'est juste un journal d'un voyageur ou un truc un peu à la noix. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Le problème, c'est que comme c'est moi, bah évidemment, je sais plus où c'est. Hein. Parce que, lol. Non, non, tu te tais, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est un truc que j'ai pas débloqué, je l'ai pas débloqué, ça viendra. Non. Ça, j'étais déjà... Est-ce que c'est par l'autre côté qu'il faut que je passe? J'ai encore un peu de mal avec l'orientation, hein, faut... Non plus. Alors, c'est plus haut. Ah oui, je sais par où c'est. C'est le petit chemin tout étroit, ici. Enfin, je pense que c'est par là. Et je sais qu'il y a une espèce de mur comme ça, comme ce que je suis en train de marcher, là. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Je sais pas comment je vais remonter, par contre, mais... Saut d'Alonest, ouais, ok. Ah, voilà. Super, j'ai fait ça. Comme je suis une grosse chochotte, je vais aller foutre mon pognon à la banque. Puis après, je reviens. Donc là, il y a une plante pourrie, faut pas que je marche dessus. Alors, on va remonter. Ah, tu m'as pas eu. Ah! Je suis tombée. Je sais, je suis désolée que cette histoire de pognon, mais comme je le perds facilement et que j'ai envie d'acheter des charmes et tout, je le garde à la banque pour le moment. J'avais essayé de mettre jusqu'à 1000 balles, il s'est rien passé, donc... J'espère que c'est safe pour l'instant. Il me dit que je peux en mettre jusqu'à 4500, mais je sais pas, je me méfie quand même. J'aime bien la station de la reine, elle est très 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 jolie. Enfin, elles sont toutes jolies, mais celle-là particulièrement, j'aime bien. Voilà. On va faire un petit dépôt. On va mettre 200 balles, hein.
Et maintenant, on va essayer l'autre passage. C'était le lac Dune, me semble. Où il me faudrait aussi le dash de cristal. Là, je sais pas comment, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça le super dash ou le cœur de cristal ou le dash de cristal. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas comment vous l'appelez, vous. Ah, j'adore. J'espère qu'il va rien lui arriver au coléoptère parce que je l'aime beaucoup. Puis quand on lui tape dessus... Enfin, quand on lui tape dessus... Je m'épuise si facilement maintenant et mes vieilles jambes me font souffrir de plus en plus. Cependant, je m'estime chanceux de vieillir. Tant d'autres n'ont pas eu cette chance. Oui, vu ce qui traîne dans le Mont Cristal et les autres... Je sais pas si on peut dire qu'ils ont vieilli. Alors, j'ai deux parties. J'ai le lac Dune là en haut où je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. On va essayer. Et autrement, il y a la partie tout en bas, à gauche, où j'ai pas encore fait non plus. On va tenter le lac Dune. Ça me rappellera des souvenirs de quand je suis allée voir Hornet. C'est ici ? Ouais, c'est ici. Il y avait quoi de nouveau là? Ah, il y a des trucs que j'ai pas vus. Mais j'ai raté un rocher à thunes. En même temps, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller le chercher maintenant alors que je vais sans doute crever? On va attendre, on passera le prendre. Je me mets une note. Un rocher à thunes sous la salle de Hornet. Oui, je sais. J'ai vraiment des notes débiles. Mais que voulez-vous, à mon petit niveau, ça vaut encore le coup de repérer les objets à thunes. Les rochers à thunes, pardon. Ah, le premier endroit où j'ai utilisé le dash. Voilà. Donc je le prendrai une autre fois, lui. Le deuxième endroit où j'ai utilisé le dash. Oh, que de souvenirs. Ouais, je suis dans la bonne direction. Donc là, il y avait le chevalier moussu, je crois. Il y a aussi un banc. Et il y avait une petite cabane. Voilà, il y a une petite cabane avec un banc. Et il y avait un bonhomme, mais je sais pas... Il est plus là. Il n'y a pas quelqu'un ici? Space Live. Bon, bah écoutez, on tente le coup, hein. Ah non! D'accord, je pense que là, il me faudrait l'autre bousin. Avec le truc avec les petites ailes, ok. Bon, ben, je saurais que faut que je revienne plus tard. Ah, beaucoup d'exploration ce soir, hein. C'est... Comme quoi, on croit qu'on est doué, on croit qu'on sait jouer, et en fait non, toujours pas. Bon bah du coup, faut que je descende tout en bas, hein. Poum poum. On va d'abord aller à ce banc. Pourquoi j'ai soigné en fait? C'est débile, j'aurais dû soigner ici. Donc, maintenant, on va passer au deuxième banc qui est là-bas, hein, histoire de pas trop traîner. Toi, t'as envie de mourir, hein. Mais bon, comme j'ai la flemme de remonter, je vais juste buter les petits, là. Nos feuilles se flétrissent. Ah, ce sent un peu tristou. Yeah, j'ai échappé aux vapeurs dégueulasses.
Ah. Bon, ben je pense que c'est par là. Prends le petit raccourci. Mais non ! Pardon pour ce petit cri débile. J'ai été surprise une fois de plus. Bon, ben on va se promener, hein. Ah oui, y a ça. Tum-tum-tum. Bon, j'ai pas envie de vous poutrer, parce que je suis gentille. Ah, c'est un géo qui est tombé dans la flotte. Bah zut, enfin dans l'acide. Là, il va y en avoir un autre. Voilà, je le sentais venir. Et... Ah ouais, le sanctuaire de pierre, j'y étais déjà, du coup. Putain. Il n'y a pas un truc là-bas? Oh, une plante carnivore. Voilà, tu me serviras à me recharger. Comment que j'arrive à me bouffer des trucs sur ça, quoi? Non, c'est pas le bon côté. Bon. Je vais pas m'embêter. Voilà, et là, il y a le banc. Et ça, je sais pas si je peux les frapper. Non, il se passe rien. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je cogne un banc? Rien, ok. Bon. Ben... Oh purée, c'est bientôt 10h en France, là. Donc c'est pas Brume Canyon. Oh, j'avais oublié ces saloperies, là. Voilà. Donc, bah tout là-bas. Non. Un petit dash comme ça, ça va beaucoup mieux. Ouais. Je sais plus du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un truc où j'avais pas accès? Tiens, c'est marrant, y a pas un gros machin qui m'a foncé dessus. Je suis surprise. C'est presque louche. Ah, y a encore un rocher à Thunas. Faudra que je prenne ça au retour. Ouais, on va se casser, Fissa. Oh bah j'ai bien fait, là. Ouais, la partie là-bas, c'est Brume Canyon, hein. Donc, ok, ça, on va pas s'embêter. Ok. Tiens, je suis pas encore allée là-bas, hein. Décidément. Je pense que en fait c'était ça que j'étais pas encore allée. Ah, Sashouine. Vous savez ce que je vais faire? Je vais essayer de me rappeler comment est-ce qu'on fout des trucs sur les cartes. J'en ai mis un. Super. Trop facile comme ça. Ah bah c'est clair, ouais, ben écoute. Je sais que je pourrais sauter sur les merdouilles, quoi, mais... Voilà. C'est que dimanche, il y a une chenille dans les mines, elle m'a fait peur, genre... J'explose le truc. Et puis tout d'un coup, elle se transforme en espèce de créature dégueulasse. Et en fait, la vraie chenille, elle était plus loin, quoi. C'était juste une espèce de mime, hein. Enfin de...
Ouais, voilà, de doppelganger. Ah, tiens. Alors là, par contre, je sais pas si je peux... Là, je pense que ça va pas trop le faire. Voilà. Lol. Je vois ce qu'il faut faire, mais j'ai pas encore la... La puissance. Ce petit bruit dans l'acide, là, comme ça. Ouais. Je pense que là, par contre, je vais crever. Puis en plus, je suis loin du bon... Ça, par contre, refaire tout le chemin, ça me fera suer, quoi. Ils ont crevé ou je rêve? Me dis pas qu'ils ont crevé, ces cochonneries. Je sais plus, de merde. Mais pourtant, j'ai pas utilisé le dash. Bon, bah... Bon bah tant pis, hein. Je pense que là je peux pas passer, hein. On est d'accord. Du coup... Bah du coup, est-ce que je vais récupérer la tunasse et je rentre? C'est l'attaque automatique et les coups dans le dos. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, ben... Je vais essayer de récupérer la thune alors, du coup. Tant qu'à faire. Puis je repasse dans l'autre sens. Bon. Ouais, bah ouais, faut que j'attende qu'il respawn. Et comme je sais pas quand ce sera, bah pour l'instant, on va aller faire autre chose. Et c'est là que je crève. Ben du coup ça c'est fait, je peux enlever le marqueur. Bon. Bizarrement là je vais rien tenter, hein. Ah non, non mais sérieusement j'ai pas crevé ici quand même. Non, 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 eh oh. Je refuse de mourir ici. Il y avait un rocher, mais je suis pas du bon côté, hein. Ah, j'aurais dû passer par en dessous, tant pis. Par contre... Donc, ce que je vais faire... Lui, on va l'enlever. Non, je peux pas l'enlever? Ah, voilà, retirer. Et... On va le mettre là. Je sais même pas si j'ai pas du tout retenu à quoi correspondaient les couleurs des marqueurs. Mais... Ah super, un machin à buter. Je sais, c'est très méchant ce que je fais là. Je suis une vilaine. Ouais. Par contre, du coup, je sais pas si je vais y retourner ce soir à ce truc-là. Il y avait autre chose. C'est pas autre chose que je voulais faire. Faut déjà retourner au banc et me soigner, ce serait bien. Voilà, on a évité de crever, c'est cool. Ah ouais, il y a ça. Voilà. Cassos, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah bah le banc, ouais. Oh putain, qu'est-ce que je fous? Mais quelle nouille. Bon, bah on va aller au banc avant de mourir. Hein.
Ben, ce que je vais faire, si je vais quand même aller, je vais récupérer la thune et je vais voir ce que je peux acheter chez Sly. Parce que tant qu'à faire, autant tout dépenser. Hein. C'est pas plus débile qu'autre chose comme méthode. Ça va être quoi le plus court? Ouais, bah si, ça va être par là quand même. Hein. Je ne sais pas frapper. C'est hallucinant. Donc faut que je remonte. Toulou. Faut passer par là. Hein. Ah pardon. C'est petit cri de réflexe. Est-ce qu'il y en aura un par au-dessus? Non mais il y aura un petit machin pour me récupérer de l'âme. Donc en vrai, là, sauf le machin du fond où j'ai buté les créatures, hein, j'ai exploré ce que je voulais faire à vers chemin. Donc c'est pas trop mal encore. Bon, il s'est rien passé sinon de particulièrement, on est d'accord. Hein, c'est. J'ai trouvé le... Donc Evlasco, je sais pas si t'avais vu, j'ai trouvé le chevalier, le faux chevalier, mais version rêve. Bon, je suis pas arrivée à le buter parce que en vrai, il a l'air assez dur, faut dire ce qu'il est. Donc peut-être qu'il faudrait que je revienne un peu plus tard. Mais au moins, je sais comment le récupérer. Ouais, t'étais déjà là, ok. Ouais, je sais pas si t'es déjà arrivé quand je l'avais fait ou pas encore. Toum, toum. Ah, ok. Donc, la banque. Vous le sentez que j'ai peur de perdre mes sous? Vous le sentez vraiment très 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 fort? Et après on va aller chez Sly, j'avais dit. Salut Bras, c'est pas la peine parce que... Enfin, elle a peut-être des charmes. Mais par contre, pour l'augmentation du nombre de charmes que je peux porter, ça, j'ai pas encore récupéré assez pour qu'elle me vende le dernier truc. Donc on va aller chez Sly. On va faire un petit retrait. On va tout récupérer. Je devrais normalement pas mourir entre ici et Dirtmouth. Hein? Sinon, je sais pas comment je fais. Mais je suis sûre que s'il y avait moyen, je trouverais. Ah, faut que j'aille chez Papa Chenille aussi. Tu vois, c'est marrant, ça résonne. Toup, toup, toup. Pouch. Bah, on va aller chez Papa Chenille, puisque j'ai récupéré deux ses fistons. Plus court, c'est par Dirtmouth, hein. Quand même. Bon ben, on plaît. Yay! Surtout que maintenant que j'ai débloqué la suite du magasin de Sly. Donc... Ah, j'ai pas fait gaffe, c'était des petites lunettes sur le truc. Dirtmouth, la ville fantôme. Alors, vais-je arriver à me prendre des dégâts connement? Bien sûr! Bien évidemment que je vais y arriver. Ah, c'est un art, mais... Donc les chenilles, je sais pas ce qu'il va me fourguer cette fois. Ouais, 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 wouhou, oh, oh, oh. Oh, qu'est-ce qu'il m'a donné? Chant des larves, ouh! Putain, mais il me rince, dis donc! J'ai pas dû y aller depuis un moment, hein. Mais! Bah, dis donc! Il m'a filé combien? Il m'a filé 500 boules, là? Merci, Papa Chenille! Donc, le chant des larves, c'était quoi, ça?
C'est celui-là. Recèle la gratitude des larves libérées. Permet de recevoir une petite quantité d'âme quand on subit des dégâts. Ah, ça peut être sympa, ça. Pourquoi pas? Tiens, je pourrais peut-être l'essayer. Peut-être à la place de celui-là. Je vais essayer ça au prochain banc, tiens. C'est une bonne idée. Il coûte pas cher en plus en emplacement. Oula. J'ai eu du fion, là. Popom. Popom, popom. Le chant des larves. C'était quoi la gratitude des larves? Parce qu'en vrai, le truc des épis, celui-là, je sais pas trop ce qu'il fait. Enfin, si, je sais ce qu'il fait en théorie, mais... Maître de la vitesse. Juste pour le loise. Oh, pardon. Ouais, effectivement, je commence à fatiguer un petit peu, donc... Voilà. Éclat de masque, fragment d'un réceptacle. Ah, alors. Ah, bah j'ai pile ce qu'il faut, hein. Excellent. Donc j'ai pas encore un... Ah, bientôt un masque. Bientôt. Et clé élégante. Ah, tiens. Dans les voies d'eau de la ville, juste en dessous de nous, je ne l'ai pas nettoyé. Coup puissant. Je vais prendre ça quand même, parce qu'il me semblait que j'en avais déjà acheté. Je sais pas si je peux en compléter un. Ah non. Pas encore. Alors ça par contre, j'ai aucune idée de ce que ça fait. J'imagine que c'est en rapport avec le réceptacle qui me sert à stocker mon âme. Mais à part ça... Par contre, la clé élégante, là, faudra que je pense à la récupérer à l'occasion. Ah, le réceptacle, ouais. Ouais, parce que ça, j'imagine, c'est pas un énorme spoil, quoi. C'est pas dramatique. C'est le genre de conneries que j'irai chercher sur le wiki et où je risque de accidentellement me trouver des spoils sur autre chose. Donc, à la limite, ouais, si tu peux me le dire, je veux bien. Ça agrandit ta réserve d'âme. Ok, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Faut que je complète ça, je sais pas comment, mais il faut. Bon. Ben. J'ai plus de pognon, donc c'est bien, ça veut dire que j'ai plus rien à perdre. Alors. Alors par contre, pour ce soir, je pense que je vais m'en arrêter là pour Hollow Knight, parce que... Sinon, je vais commencer à faire n'importe quoi, parce que je commence à fatiguer, je le sens. Pour les prochains trucs, bah vendredi, du coup, ce que je vais faire, il y a le bout ici, en bas, à gauche, où je vais essayer de pas buter les bestioles, ça serait bien. Donc ça, je peux faire. Il y a le truc en haut, là, où je suis déjà allée, mais j'ai pas de carte. Le petit bout, là, de vers chemin, où... Donc je pense que c'est une autre zone, où j'ai accès que à cette partie de la zone pour l'instant, et rien de plus. Mais... Parce que j'ai pas l'impression que je puisse aller plus loin. Donc ça, on va attendre. Je pense qu'il y a pas mal de trucs que je peux pas faire tant que j'ai pas les petites ailes là pour faire le double saut. Donc, bah genre le lac d'une, hein, tout simplement. Il y a... en vrai, il y a ça que j'ai pas fait. Sous la cité des larmes, il y a la partie près du magasin, là, du collectionneur... Enfin, pas du collectionneur, le mec qui rachète les... Les sauts d'Alonest et compagnie. Où j'ai ouvert le truc, mais j'y suis pas encore allée. Et la partie là qui est à tout en bas, à près du... Là où il y avait les dames mentes, mais juste à droite, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Il faudra que je retourne explorer à l'occasion, ça pourrait être cool. Maintenant que j'ai débloqué le pont vers la ville, quoi. Ouais. Bah, je me tâte pour vendredi. Je pense que je réessaierai la partie là pour commencer quand je suis à peu près en forme. Puis après, je descendrai là-dedans pour aller voir ce qu'il y a.
Et pour le reste, ben ouais. Les parties là-haut, je sais pas si je peux y aller, j'ai pas l'impression. Donc pareil, je pense que ça devra attendre. Mais au moins j'ai un raccourci à partir de Dirtmouth. Ça, c'est super cool. Ben, en vrai, finalement, donc ce soir, ouais, c'est pas mal. J'ai trouvé le maître de l'aiguillon. Je l'ai pas battu, mais j'ai trouvé la version onirique du faux chevalier. J'ai fini la butte cristallisée, donc j'ai récupéré un sort en plus que j'ai pas essayé, tiens. Donc j'y pense. Ah, c'était quoi? C'est vers le bas et B rapidement, hein. Ok. Et on est d'accord que c'est pas le même que celui-là. Hein. Ah si, c'est le même. Ok, j'ai peut-être dû rater un truc là. Bon, on va se replacer à vers chemin, je pense. Pour la prochaine fois. J'ai l'impression que la prochaine fois, ça va être dimanche matin, mais en fait, non, il y a vendredi. Ce soir, c'était pas prévu. Voilà. Ok, bah moi, je vais doucement m'arrêter là. Comme dit, je suis pas encore à 3 heures de stream, mais... Je pensais pas que je tiendrais jusque là parce que j'avais une journée quand même de merde, faut dire ce qui est. Donc je suis assez contente. Je vais essayer de trouver quelqu'un doucement à raid. Ce que je vais faire vendredi soir en début de stream. Ouais, bah bonne fin de soirée à toi aussi, Kevlesco. Vendredi, je sais pas si tu passeras. Enfin, toi, ça te concerne pas trop, je pense. Mais comme ça fait quelques jours qu'on avait atteint les 100 follow. Je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour fêter ça, mais j'ai pas le temps pour l'instant de faire un giveaway genre dessin ou autre chose. Et un giveaway jeu, pour, je préférais le garder pour genre les 100, les 500 ou les 1000 follow pour marquer un peu plus le coup. Donc je pense que ce que je vais faire, vendredi soir, je vais balancer un ou deux subs, puisque j'ai été payé. Pour les gens qui sont là ou qui sont pas là, qui sait. Je sais pas qui c'est qui aura ça. Donc voilà, pour fêter un petit peu ça. Et vendredi soir, normalement, on a le nouvel épisode de Louise qui sort. D'après ce que m'ont dit Chuba et Azeila. Donc je ferai ça en début de stream comme d'habitude. Ok, bah du coup, je vais essayer de trouver quelqu'un à raid. Qui est-ce que j'ai dans ma liste? Ah tiens, il y a Morgan of Gelko qui joue. Enfin, qui joue ou qui fait... Ouais, non, qui joue, effectivement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui fait du... qui fait du Hollow Knight? Non. Par contre, j'ai le jeu de martyr qui fait du céleste. Je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui fait du Hollow Knight. Que je connais pas encore. Un petit streamer comme ça à raid. Et si je trouve rien, je pense que je vous envoie... Là, j'ai quelqu'un, jour 2, Hollow Knight. Je vais voir ce qu'elle fait, je connais pas du tout. Bah, ça a l'air d'être un début de jeu, donc, enfin, début de jeu, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui spoilera beaucoup. Je pense que je vais faire un tour chez elle s'appelle Célindra, je connais pas du tout comme streameuse. Mais... Ça me donnera l'occasion de découvrir et puis de vous faire découvrir aussi, hein, tant qu'à faire. Alors, on va faire ça. C'est Célindra avec un underscore, je crois. Voilà. Voilà, bah je vais lancer donc le raid. Ça y est, je commence à bégayer, ça va, je suis fatiguée. Bah en tout cas, bah merci vous tous hein, qui êtes venus. Comme dit, c'était un stream complètement impro. J'ai décidé genre une heure avant de le faire, même pas. Parce que je voulais être sûre que j'avais... j'ai eu une journée un peu merdique, mais ça allait... Elle m'a pas fatiguée au point que je puisse pas faire de stream, donc c'était cool. Prochain stream, donc vendredi, hein, comme d'habitude. Vendredi et dimanche. Samedi, par contre, je sais que c'est férié en France, mais moi, je caserai pas de stream, du coup, samedi. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis une bonne soirée, bonne fin de soirée, bonne nuit pour ceux qui vont se coucher tout de suite après. Moi, je vais encore rester un peu voir le stream de Célindra.
Et puis, ben, je vous dis à vendredi soir. Bye bye.